Le président Teodoro Obiang-Nguema Mazogo, lauréat du prix ACP de l'Organisation des pays de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, le chef de l'État équato-guinéen, reçoit le prix sur la base de certains facteurs, notamment son implication dans la recherche de la paix, la stabilité et le développement des pays du groupe ACP et pour son excellente organisation du 7e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, tenu à Malabo en décembre 2012. Our profound thanks and gratitude. Nous décernons ce prix en reconnaissance au président Teodoro Obiang-Nguema pour son soutien constant aux pays en difficulté. Les 79 pays membres de notre organisation souhaitent exprimer notre profonde gratitude pour le service rendu aux nombreuses familles dans le besoin et votre engagement à promouvoir le progrès, l'unité et la solidarité du groupe ACP. La création d'un fonds au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation pour aider les pays africains touchés par la désertification et les catastrophes naturelles, la création et le financement du prix UNESCO Guinée-Équatoriale pour la recherche en sciences de la vie sont quelques-unes des initiatives qui ont permis au président Obiang de recevoir le prix ACP. Los países ACP son los más afectados de este mundo globalizado. Les pays de l'ACP sont les plus touchés dans le monde par des problèmes socio-économiques. C'est la raison qui nous pousse à renouveler notre engagement à travailler ensemble pour une coopération sud-sud plus forte. La Guinée équatoriale accepte cette distinction et nous sommes profondément reconnaissants pour ce geste qui honore notre pays. Y promueve los principios de la política internacional. Créé en 1975 pour garantir une coopération sud-sud plus forte, le groupe ACP compte aujourd'hui 79 pays qui luttent pour un développement durable de leur État.